Welcome in this new video in the Signals and Systems channel. This time we'll look at the exam of January 2022, and as you can see, the duration was 2 hours. As usual, we have 4 questions, 2 exercise questions, one on the Laplace transform, one on the Z transform, and then 2 theoretical questions. And we'll go into the details of those questions later on in the video. Well, let us have a look at the instructions. You can have a look at them because they will probably be remaining the same or be very similar for exams in the future. At the end of the video, my colleague David Rouchard will give a detailed solution of question 5. Question 5 is a question dedicated to the application of MATLAB on signals and systems. This question is relevant only to students in electromechanical engineering and in health engineering. The explanation is given in French. So let us start with the first exercise on the Laplace transform. As you can see, you have to solve a differential equation. The second derivative of y of t plus 2 times the first derivative of y of t plus 5 times y of t is equal to 4 times t times the exponential of minus t times u of t. And u of t is here used to make the input signal causal. Then we have 2 initial conditions. Y in 0 is equal to 1, and the derivative of y in 0 is equal to 2. Well, there is also a hint here to not reduce the expressions under the same denominator, because this will make your computations more difficult. We will see this later when we solve this differential equation. As usual, I advise you to try to do this by yourself and to push the pause button. Well, let us have a look at this exercise over here. The first thing that we have to do is to compute the Laplace transform of this expression over here. The first difficulty is to obtain the Laplace transform of this input signal, and the second difficulty is to take into account the initial conditions, and for that you need the Laplace transform of a first derivative that you probably know, but you also need the expression of the Laplace transform of a second derivative, and there you might make mistakes. So let us have a look at the Laplace transform of this input signal over here, and to obtain it we'll use the frequency shifting property, which says that if you have the Laplace transform of a signal f of t, and that this Laplace transform is f of s, then you can also obtain the Laplace transform of this same signal f of t multiplied by the exponential of lambda t. And this Laplace transform is the original transform, but shifted by lambda to the right, right? So if lambda is positive, this is shifting to the right. If it's negative, it's shifting to the left. We'll use this expression because we know the Laplace transform of t u of t that you have over here. And this is really a ramp signal, right? The Laplace transform of a ramp is 1 over s squared. So here t u of t corresponds to f of t, and 1 over s squared corresponds to f of s. If we need the Laplace transform of this same signal here, but multiplied by the exponential of e to the minus t, we take this one, right, and we shift it by minus 1. So this is why this s over here becomes s plus 1. So we have shifted to the left over here because lambda here is negative, it's minus 1. So we have obtained here our Laplace transform of our input signal. We have to put here a 4 at the numerator. So let us have a look at the initial conditions. We know that the Laplace transform of the first derivative of y is s times the Laplace transform of y of t, and y of t is of course the integral of the first derivative,
minus the initial condition in 0 on y. And you can rewrite it as follows. To obtain the Laplace transform of the second derivative, well, you can kind of reuse this formula over here. And of course, the integral of this one over here will now be the first derivative. So if you reuse this equation over here, you see that the Laplace transform of the second derivative is s times the Laplace transform of the first derivative minus the initial condition in 0 on the first derivative. This one over here, so the Laplace transform of the first derivative, we have obtained, and it's given over here. So we can inject this expression over here. And this is why you obtain this expression, right? And now it's just a matter of expanding things, and then you obtain what you need to transform this expression over here. So it's important to have here the initial condition on y, and here the initial condition on the first derivative. Well, let us continue the exercise. This is, well, the first thing that we had obtained, and this is the Laplace transform of the original differential equation. So what we can do now is collect all terms in y of s, and we can rewrite things like this. We have s squared over here, we have 2s over here, and we have 5 over here. The initial conditions will bring them on the other side, and then you can replace y0 by 1 and the first derivative in 0 by 2, and this is what you obtain. If you look at this polynomial over here, you can complete the squares and see that, well, the roots will be complex conjugates. So since we do not want to work with complex numbers, we'll leave it like this, right? So here is where the hint comes into play. We will keep two terms. This is something that is quite easy, right? We can keep it as is. And here we have a very simple numerator. So this will come in handy when we will do the partial fraction expansion. So we'll call this one here y2. And we'll do the partial expansion of y2. So we have a fourth order denominator polynomial, and we need 1, 2, 3, 4 constants, right? So this is how you can do the decomposition. And now we have to compute a, b, c, and d. For a and b, we can use the tricks that we've seen in the theoretical course. The most simple one is b over here. You take this expression over here, you hide the s plus 1 squared, so this is what remains, and you replace s by minus 1, which is the root over here, right? If you do this, you see that b is equal to 1. To obtain a, it's a bit more difficult. So what we have to do is to take this one, take the first derivative, and evaluate it in s is equal to minus 1. So have a look at the theoretical course for that. Here, if you do this derivative, well, actually there is a square lacking over here. You have a denominator, which is a square, and a numerator here, which is 0, if you plug in s is equal to minus 1, right? So we have a 0 over here. To obtain c and d, what we can do is put everything under the same denominator again. You can take a is equal to 0, and if you do this with b is equal to 1, this is what you obtain. This numerator, we know that it's 4, so you can, for instance, take the powers of s that corresponds to a power of 3 here, and you see that this corresponds to c. There's no power of 3 over here, so c is equal to 0, and then we can take the independent term, so you have a 5 here and d over here, so 5 plus d is equal to 4, so we have d is equal to minus 1, right? So we can take y1, it's over here,
And then you have this term over here with b is equal to 1. And then you have, well, this term over here with d is equal to minus 1 and c is equal to 0. And you obtain this expression. Remember here that you can complete the square. So this is an indication that you have here a cosine or a sine of 2 of t that will be modulated by the exponential of minus t, right? This is again this frequency shifting property. So here we have s plus 4 minus 1, so we have s plus 3, but we want to have here s plus 1 at the numerator to be using this frequency shifting property. So we'll have a 2 over the same denominator that is remaining, right? And this is simply this term over here. We can see that this is a cosine of 2 of t, right? Modulated by exponential of minus t. That we know from our previous calculation, its inverse Laplace transform is t e to the minus t u of t. And here we have a sine of 2t that is again modulated by the exponential of minus t. So we see that we have a relatively simple expression. Of course, what we should do next is check if we meet the conditions, the initial conditions. If you plug in t is equal to 0 over here, these terms will not contribute. This will be a 1 multiplied by 1. So this is 1. This is indeed correct. We need to compute the derivative of this expression, the first derivative of this expression. So it's a product. You'll have two terms, right? This one times the derivative of this one. This is what you have over here. And this one here times the derivative of this expression over here. And again, if you plug in t is equal to 0 in this expression, this one will give you minus 1, right? Coming from this one over here and this one, minus 1. And this one will contribute, this one will contribute. So this will be 3 because the exponential of 0 is 1. So minus 1 plus 3 is 2. And indeed, this is okay. Well, let us have a look at the second exercise. And of course, the second exercise is an exercise on the Z transform. You have to use this Z transform to solve the following difference equation. So yn plus 2 minus 3 over 2 yn plus 1 plus a half yn is equal to this input signal. So it's a third to the power n times u of n. As usual, u of n is there to make things causal at the input. And you have initial conditions in 0 and 1. y0 is 4, y1 is 0. So you have to find the solution and to write it in terms of the 0 state response and the 0 input response. So this corresponds to the part of the response that comes from the input, right? The states are zero. In French, it's la réponse forcée. And this is the part of the response with zero input. So in French, this corresponds to la réponse libre. So as usual, try to do this exercise by yourself and push the pause button. In order to solve this exercise, we'll need the Z transform of a signal that has been shifted to the left by 1, right? So if this is the original signal and you take its Z transform, its one-sided Z transform, so this is the Z transform when you multiply this signal here by u of k to make it causal, so you only take this part over here and you apply the definition, then you obtain the following Z transform. It's f of 0 times z to the power 0 plus f1 times z minus 1 plus f2 z minus 2, etc. This definition, you have to be able to find it at the time of the exam, because this is nothing else than a Laplace transform of a signal that has been sampled.
If we use this same definition here on our signal that has been shifted by one to the left, what we'll have here is, well, this one here, but this is now F1 times z to the power 0, F2 times z to the power minus 1, F3 times z to the power minus 2, etc. And you can see that you can obtain this one over here from this one, right? All you have to do is multiply this one by z. This corresponds to shifting to the left, right? And, well, if you multiply by z, it will not be entirely correct, because this one here, f0 times z, will be too much. And you see, when you shift it to the left, it disappears. So it's kind of logical that you have to subtract it, right? So the z transform of the sequence shifted to the left is z times the original z transform minus f0 times z. Well, we'll also need the z transform of this sequence shifted to the left by 2. If this one is shift, this signal is shifted to the left by 2, well, of course, this one will disappear and this one will disappear from the z transform, because we work with unilateral z transforms, right? So this one shifted by 2 elements to the left corresponds to this one. If you take the z transform, you'll have this one, f(2) times z to the power 0. So that's simply f(2). This one here, f3 to the power times z to the power minus 1, and so on. Again, what we can see here is that you can obtain this one here from this one over here. You have to multiply by z square, right, in order to obtain f2, but there will be a number of terms, too exactly too many, and that you have to subtract. In this one here, you won't find f0 times z square, so you have to subtract it, and you won't find f1 times z, so you have to subtract it. So this is really the z transform of this sequence shifted by 2 to the left. You can obtain it from the z transform of the original signal, but you have to take into account the initial conditions. Let's have a look at this exercise 2, right? We need to take the z transform of this expression over here, and this is what you obtain. We have just seen that you can take into account the initial conditions in 0 and 1 when you take the z transforms of these two signals that correspond to shifted versions of this one. Here it's shifted twice to the left, and here once to the left, right? And you see here in green that this is the z transform of the signal that has been shifted twice to the left, and this is here the z transform of the signal here shifted once to the left. The u of n here is to indicate that we work with a unilateral z transform. Do not forget to put the 3 over 2 here in front and to use parentheses, so that, well, this 3 over 2 is also acting on this term over here. We now need the z transform of this input signal, that is a causal signal, and this is a signal of the type alpha k u of k. Here we have used an index n, but you can use any index name you like. In the course, I've worked with k, so I will continue to do this here. So here you have the definition of the z transform, right? This is something that you have to be able to find. It's coming from the Laplace transform of a sampled signal, right? And in order to compute z transforms, you have to use the formula of the geometrical series, which is given over here, and which of course is only valid when the module of Q is smaller than 1. Right, let us compute
this z transform of this signal over here. So we have to replace x of k by alpha k, right? And therefore you can rewrite this as alpha z minus 1 everything to the power k. So this is equivalent to alpha k z minus k. The reason we want write it like this is that we are now able to use this formula of the geometrical series. Okay, so you have 1 over 1 minus alpha z minus 1. Or if you prefer to work with the variable z, well, you can multiply numerator and denominator by z, and this is what you obtain, right? Of course, you have to look at the region of convergence, right? And this formula is valid when the module of q is smaller than 1. So this quantity here, alpha z minus 1 in module, has to be smaller than 1, and this is equivalent to the module of z larger than alpha. In this case here we have alpha is 1/3, and this is explaining why we have here z over z minus 1/3. Before we continue the exercise, it's worthwhile mentioning that here we work with the z variable, as it comes in naturally when you introduce the initial conditions, right? This is because we work with the z transform of a signal that has been shifted to the left. If you work with the z transform of a signal that has been shifted to the right, then you'll have, well, z minus 1, z minus 2, etc. And there it's easier to work with the variable z minus 1. Here we work with the variable z, and this is why we have written the z transform of this one here as z over z minus 1/3. So when we continue the exercise, what we'll do is collect all terms in y of z. So this is what you obtain. You have z squared over here, minus 3 over 2 z over here, and 1/2 over here. This explains this quantity over here. So what we'll do with the initial conditions, you have one here, here, and here, is take them on the other side of the equality. And then we have, of course, plus the z transform of the input signal. What we can do now is, well, inject the initial conditions in here, and this is what you obtain, right? And to obtain y of z, we have to divide by this factor over here, and we obtain two terms. First one over here, and a second one over here. Notice that what we have over here comes from the initial conditions, right? So this is called the zero input response. In French, this would be la réponse libre, right? The other term comes from the input and is not affected by, well, the initial conditions on the state, and this is why it's called the zero state response, right? And this is la réponse forcée in French. What we can do is factor this denominator, as is shown over here. So please check at the time of the exam that you got this right. So you just have to expand, and what you should find is this, of course, right? So what we'll do now is find the zero state response and the zero input response. We'll start with the zero input response. And what we'll do is take this quantity here, we'll call it y1 of z, and divide it by z, right? This is what you obtain then, and take the, well, partial fraction decomposition, right? This is because when we multiply by z again, we have az here over z minus 1 and bz over z minus 1/2, and these are known z transforms, right? So let us start by this decomposition here. Well, we have taken this one and divided by z. This is what you obtain. You write the partial fraction expansion, and you need to obtain a and b. As you know, to obtain a, you're just hiding this one, and you replace by,
Well, the root of z minus 1, so z is equal to 1, and this is what you obtain over here, right? If you hide this one and you set z is equal to 1, well, you have minus 2 at the numerator and a half at the denominator, so this is minus 4. You can do something similar for b, right? You're hiding this one, this is what is remaining, and you inject z is equal to a half, and then you have 8. Right? If you inject this in here and you remultiply by z, this is what you obtain. And now it's easy to take the inverse z transform. Remember that the z transform of alpha, let's write it with n here, since we're working with n, alpha n u of n is z over z minus alpha. So if you take the inverse z transform, this is what you obtain. So y1 of n, which is the zero input response, is given by this expression over here. So what you can do now is do something similar for the zero state response. Again, we'll take the partial fraction expansion of this quantity here divided by z. Okay, so this quantity here is y2z. If you divide it by z, this is what you obtain. And we'll take the following partial fraction expansion, so that when you multiply by z again, you'll have again known z transforms like this, right? Of course, you can easily obtain a, b, and c again by using the same tricks as above and using the formula of the course. I will not go into the details of the calculation of A, B, and C. They are given over here, but A is 9, B is 3, and C is minus a half, right? So you can write Y to Z by injecting A, B, and C, and by multiplying by Z over here, right? And you have three terms. It's now easy to take the inverse Z transform and use this formula over here, and this is the expression that you obtain, and that's the zero state response. The overall response y of n is the sum of the zero input response and the zero state response. So this is this one over here, because this one is something with a third to the power n is only appearing in the zero state response, so you'll have it over here. Here you have, where is it, minus 4 un and plus 3 un, so it's minus 1 times un, you've got it over here, and here you have 8 and there are minus 12 times a half to the power n, so we have minus 4 times a half to the power n, and everything of course has to be made causal by multiplication of by u of n, right? Of course we have to check if we meet the initial conditions. If you plug in 0 over here, you have 9 minus 1 minus 4, okay, and this is 4, this is consistent with what we see over here. And if we inject n is equal to 1 over here, we have 9 times a third, so that's 3 here, minus 1 minus 4 times a half, so that's 2. So 3 minus 1 minus 2, that's 0. And again, we meet the initial condition in 1. And this is the end of this second exercise. So let us have a look at the first theory question, which is really a mix of two questions for question 410 and question 415, right? First part of the question is to give the transfer function of a general first order system, to name the underlying parameters and to give an example. Then you have to write the underlying differential equation and make the link with the example system, obtain the step response of a first order system and sketch it, draw the Bode diagram of the first order system and, well, explain why it is like that by considering very low, very high, and intermediate frequencies, and then, well, explain what you can read in a Bode diagram
of a system in general. Even if this is covered in the theoretical course, we'll have a look at the answer of this first theoretical question. So here we have the transfer function of a first order system. K here is the static gain of the system, and T is called the time constant of the system. And you can find the first order differential equation that is associated by looking at this equation over here. So you can rewrite it at Ts plus 1 y of s is equal to k x of s, right? And if you take the inverse Laplace transform, right, you have Ts y of s. So the inverse Laplace transform of that is t times the derivative of y of t. Here we have plus y of s. So the inverse Laplace transform is simply y of t is equal to k times the inverse Laplace transform of x of s, that's x of t. So here you have the underlying first order differential equation. Of course, an example of a first order system is an RC system that is depicted over here, and you can very easily find the first order differential equation by, for instance, looking at two different expressions of the current. Well, the current is the current that flows through this resistance, and the voltage that you have on the resistance is simply E minus the voltage on the capacitor, and to have the current you have to divide by R. So that's one expression of the current over here, and another expression is simply C times the derivative of the voltage on the capacitor. If you equate these two over here and you take R on this side and VC on the other side, you obtain the differential equation of a first order RC system. So you can see that T is equal to RC is the time constant, and this system has, of course, a gain KP is equal to 1, because in steady state the voltage that you will have on the capacitor is, of course, the voltage that you have at the input. So the ratio is 1. Let us now look at the step response of a first order system. You could, of course, work with the differential equation with an input that is a step that is done in the course, but here we'll work with the Laplace transform as things are easier, right? So we have the transfer function of the system. We know that the input x of t is simply a unit step. So we know that the Laplace transform x of s is 1 over s. And to obtain the Laplace transform of the output in the Laplace domain, what we do is take the transfer function and multiply by the Laplace transform of x of t, right? So convolution becomes product in the Laplace domain. So if we multiply this one by 1 over s, right, in order to obtain the time domain response, what we need to do is take y of s and do the partial fraction expansion, right? This partial fraction expansion is given over here. So to obtain y of t, what we need to do is to compute the inverse Laplace transform. And when we do this, what you have over here is the Laplace transform of u of t. This explains the 1. This one you can rewrite as 1 over s plus 1 over t, right? And if you take the inverse Laplace transform of this one, you have exponential of minus t, here small t, that's time, divided by the time constant multiplied by u over t. So this is the expression of the time domain step response. And here is the typical first order step response. Well, the important parameters are the gain and the time constant. You can read the gain
from the step response by looking at what happens in steady state. The gain is the ratio output over input in steady state. So here that will be 1.1, and the time constant can be obtained by either looking at the tangent at the response at the start at t is equal to zero, or by looking at 63.2% of the response, and this corresponds to a time that is the time constant. Well, let us have a look at the last part of the question, which is, what do you see in a Bode diagram? Well, in the Bode diagram, you can see the frequency response of the system. This means that if you have a sinusoidal input of this type here, where omega is the frequency, you can have a look at the response of the system subjected to this input. And if the system is linear, well, at the output you will have a sinusoid at the same frequency, that is when the transients have disappeared. So what we are looking at is really the steady state response when all the transients have gone. So you'll see in steady state at the output a sinusoid of the same frequency, but it will be amplified by a quantity that is given over here, and it will be phase shifted by a quantity that is given over here. So both the amplification and the phase shift will depend on the frequency. Here h of j omega has to be seen as h of s when s is equal to j omega. So this is really a complex number, right? And for a complex number, you can take its modulus and its argument. Well, the amplification is given by the modulus of h of j omega, and the phase shift is given by the argument of this complex number h of j omega. So what you see in a Bode diagram is a representation of both the gain and phase shift as a function of frequency. In the top part, you see a Bode diagram with, on the x-axis, omega, and on the y-axis, you see the gain, and it's usually expressed in dBs, right? Omega is represented using a logarithmic scale. And in the bottom part of the Bode diagram, you see omega on the x-axis, and on the y-axis you see the argument of j omega, and so this is really the phase shift, right? So in the Bode diagram you see the steady state frequency response of the system. So here's the Bode diagram of the first order system, and as you can see it has a low pass characteristic. So if you look at the cutoff frequency is really 1 over t. Well, 1 over t in this case corresponds to a frequency of 1 radian per second. That's where you have a gain of minus 3 dB. But below those frequencies, well, the first order system essentially behaves like a gain k. K is equal to 1 here, so the gain is 0 dB, and you hardly have any phase shift. In the high frequencies, so frequencies that are higher than the cutoff frequency 1 over t, well, you see that, well, the first order filter has a gain that becomes smaller and smaller with increasing frequencies, and you have here a slope of minus 20 dB per decade, and the phase shift tends to minus 90 degrees, right? And at the cutoff frequency we have here a phase shift of minus 45 degrees. So we can find this very easily by considering the transfer function of the first order system and consider, well, low frequencies, high frequencies, and the cutoff frequency. So in the question you were asked to draw a sketch of the Bode diagram and to explain what you see by looking at small frequencies, high frequencies, intermediate frequencies, and here we'll consider the cutoff frequency 1 over t.
we'll look, we have to look at the quantity, the complex number h of j omega that you obtain by taking the transfer function of the first order system and replace s by j omega. And this is what you obtain, right? This is a complex number, and we need to consider the modulus and the argument, the modulus for the gain and the argument for the phase shift. Let us consider very low frequencies, so frequencies that are much lower than the cutoff frequency 1 over t. In here, what we have is that this is a small quantity, so we can neglect it. H of j omega is, well, almost a gain. So this is why we see here that the modulus is k and the argument is 0, right? If we are at high frequencies, so frequency much higher than the cutoff frequency, well, this one will be small with respect to this term over here, so we can neglect this one. So h of j omega is really almost k over j omega t, and this you can rewrite as follows: minus j k over omega t, right? So the modulus is given over here, and the phase shift at the very high frequencies is tending to minus 90 degrees, and this is what we had seen on the Bode diagram. You can see also that if you multiply the frequency by 10, the gain will decrease by 10, right? And so this is in dBs, minus 20 dBs. So increasing the frequency by 10 leads to a decrease in the gain of minus 20 dBs. So this is this slope here of minus 20 dBs per decade. We can also have a look at what happens at the cutoff frequency 1 over t, and there h of j omega can be written as follows: 1 plus j. And if you rewrite this under polar form, you will have k over square root of 2 exponential of minus j pi over 4, right? So we'll have again k over square root of 2 and a phase shift of minus 45 degrees. You can see here that at the cutoff frequency, right, you'll have an additional decrease in the gain, one over square root of 2 when compared to what you have over here. And in dBs, this means a decrease of minus 3 dB. So 20 log 10 of 1 over square root of 2, that's minus 3 dBs, right? So at the cutoff frequency, you'll have a decrease in the gain of minus 3 dBs when you compare to the gain that you had at the very low frequencies. So this explains what you see in the sketch of the Bode diagram. The second theory question is about the Z transform. Assume that you know x of z, which is the Z transform of a signal x of k. The question is, what can you say about the derivative of x of z with respect to z? This will lead to a property, and well, you are asked to illustrate this property on an example. So the answer to the second theory question can be found entirely in this slide. So we assume that we know the Z transform of this sequence FK, and well, the Z transform is given by this sum here, sum k ranging from 0 to infinity of F of K Z minus K, right? And the question is, what happens when you take the derivative of this quantity with respect to Z? So you have to take the derivative of this quantity here, and the only quantity that is Z dependent is this thing here, Z to the minus K. So if you take the derivative, this is what you obtain. And really what you need to obtain is the derivative of Z minus K, Z to the minus K, with respect to Z. So you'll have minus K, right, Z minus K plus 1, right? So in here,
what I can do, I can write this as minus z minus 1, and then k z to the minus k. Right, this is entirely the same thing, and this is what you see over here. I've taken minus z minus 1 out of the sum, and k z minus k I've left it in the sum, and now you can see that this is really the z transform of this sequence over here. F of k u of k, right, by definition of the z transform. So if you want to isolate this quantity over here, you have to take this thing to the other side, right? So this is why you have the minus sign appearing here, and you have to multiply by z, right? So the z transform of this sequence here, which is really the original sequence but with a k in front, right, can be obtained from the z transform of this sequence over here. You just have to take its derivative and multiply by minus z. So this is this property that involves the derivative of f of z, right? So now we can use it, for instance, to compute the z transform of this sequence, and therefore you need the z transform of, well, the same sequence without the k, so it's alpha k u of k, and that's z over z minus alpha, right? So this z transform, well, you have to compute this quantity over here, right? So z over z minus alpha derivative with respect to z is equal to z minus alpha squared. Then you have z minus alpha times 1 minus z times 1, right? So this is equal to minus alpha over z minus alpha squared, right? So this is just this quantity over here. So we have to take this one over here and multiply it by minus z. And this is how you obtain the z transform of this sequence over here. So this is an illustration of this property that involves the derivative of f of z. So this is really what was requested in this second theory question. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo lors de laquelle on va prendre le temps de résoudre ensemble l'exercice qui était proposé en MATLAB pour l'examen Signal and Systems de janvier 2022. Donc, l'énoncé, ben, vous l'avez sous les yeux, hein, on nous dit qu'une note de musique a été enregistrée à une fréquence d'échantillonnage FS1, que comme le signal est assez lourd à cause du nombre d'échantillons qui sont contenus, on a décidé d'alléger ce signal en ne gardant qu'un échantillon sur 10 du signal d'origine, et ce sur l'ensemble de la durée du signal. Et on nous fournit des données dans le fichier datasignal2.mat. Les données sont les suivantes, le contenu fréquentiel du signal 1 qui correspond à la note de musique enregistrée, donc c'est bien le spectre du signal 1, puisqu'on nous parle ici de son contenu fréquentiel, et on nous précise qu'on a un vecteur amp 1 qui va contenir donc l'amplitude en fonction de la fréquence F1. On va avoir un deuxième signal qui va être l'amplitude du signal de cette note de musique, mais cette fois-ci en fonction du temps, dont on a gardé que 10% des échantillons. C'est ce qu'on va appeler le signal 2 dans l'ensemble de l'énoncé. Donc c'est le signal 1, mais qui a été allégé. Et cette fois-ci, on nous fournit les données dans le domaine temporel. Donc Y2 en fonction de T2. Et un troisième signal dont on parlera plus tard dans l'énoncé, Y3 et T3. On nous demande différentes choses. La première, c'est de visualiser le signal qui a été échantillonné à la fréquence FS2 en fonction du temps. Donc c'est bien le signal 2, hein, et de déterminer sur base des données en question la fréquence d'échantillonnage et la période d'échantillonnage de ce signal.
et puis on nous demande de déduire de ce qu'on aura obtenu la fréquence d'échantillonnage du signal FS1. Donc la première chose à faire, qui était déjà d'ailleurs dans le questionnaire, c'était de venir charger les données et de voir qu'on se retrouve bien avec notre signal 1, amp 1 en fonction de F1, un signal 2 avec Y2, T2 et un signal 3 avec Y3, T3. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on nous demande de visualiser le signal échantillonné à la fréquence FS2 en fonction du temps. Donc je vais pouvoir faire un plot de T2, Y2, voir l'allure qu'a le signal en question dans le domaine temporel, ce que vous obtenez ici. Et puis on nous demande de déterminer à quelle fréquence d'échantillonnage ce signal a été échantillonné. Alors pour faire ça, un petit schéma rapidement. Rappelez-vous que puisqu'on a affaire à un signal qui est un signal échantillonné, ça veut donc dire qu'on va se retrouver avec une série d'échantillons ici qui ont été capturés en fonction du temps simplement. Et on va pouvoir observer le pas d'échantillonnage, donc l'intervalle de temps qui se sera écoulé entre la prise de deux échantillons. Donc on va pouvoir, en regardant ce qui s'est écoulé comme temps entre deux échantillons du signal T, eh ben on va pouvoir obtenir de cette manière-là le pas d'échantillonnage et on pourra en déduire la fréquence d'échantillonnage, en se rappelant simplement que la fréquence d'échantillonnage, c'est l'inverse de cette période d'échantillonnage. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ben, je vais venir regarder dans mon vecteur T2, hein, mon vecteur du temps, c'est celui-là qui m'intéresse, je vais venir demander à avoir l'écart qu'il y a entre deux données successives. Et ça, on l'obtient à l'aide de l'instruction diff. Donc l'instruction div va nous retourner un vecteur qui aura un élément de moins que le vecteur T2, mais qui contiendra le deuxième élément moins le premier, le troisième élément moins le deuxième, le quatrième moins le troisième, etc. Et puis là, on va se retrouver avec toute une série de valeurs, hein, donc une certaine longueur de vecteur. Ce qu'on va chercher à avoir, c'est à avoir la valeur qui revient le plus fréquemment, et ça, on l'obtient à l'aide de l'instruction mode simplement. Donc en faisant mode sur diff de T2, je vais pouvoir venir obtenir ici mon pas d'échantillonnage TS2, et de là, je vais pouvoir déduire ce que vaut ma période d'échantillonnage FS2. Et vous voyez ici qu'on se retrouve donc avec une période d'échantillonnage ici qui est précisée 2,26 10 exposant moins 4 en seconde, et donc ça nous donne une fréquence d'échantillonnage de 4410 Hz. On nous demande ensuite de déterminer la fréquence d'échantillonnage FS1, cette fois-ci, donc la fréquence d'échantillonnage du premier signal. Et si on revient dans l'énoncé, on se rappelle que le premier signal, il était trop lourd. Donc le signal 2, on avait gardé que un échantillon sur 10 du signal d'origine. Donc si en bleu, j'ai ici mon signal 2, ça veut dire que j'avais à l'origine un signal 1 qui contenait 10 fois plus d'échantillons. Donc, il y avait cet échantillon-là qui était contenu, mais il y avait probablement un autre échantillon-là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, et pour finir, un dixième avant d'arriver au onzième, qui serait le même que celui qu'on aurait ici. Mon dessin n'est pas parfait, évidemment, mais je crois que vous avez compris le principe. Et donc, sur base de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, inévitablement, la période d'échantillonnage TS1, si je note celle-ci, alors TS2, la période d'échantillonnage TS1, ça va être égal à la période d'échantillonnage TS2 divisée par 10. Et on peut en déduire que la fréquence d'échantillonnage FS1, ça va être la fréquence d'échantillonnage FS2 multipliée par 10, cette fois-ci, puisque on a 10 fois plus d'échantillons, on a une fréquence d'échantillonnage qui est 10 fois plus élevée. Donc FS2 est simplement égal à 10 fois FS1, ce qui va me mener à avoir une fréquence d'échantillonnage. Oui, pardon, c'est l'inverse, c'est FS1 qui est bien égal à 10 fois FS2, ce qui va me mener à avoir une fréquence d'échantillonnage ici de 44 100 Hz. Deuxième question. On nous donne un morceau de code ici qui permet d'appliquer la FFT sur le signal 2. Donc le signal 2, on a bien reçu les données temporelles, c'est le signal qui est ici, et donc on va
nous demander d'appliquer la FFT dessus de façon à obtenir son contenu fréquentiel. On nous précise que la FFT nous est déjà donnée et que le code qui a été fourni n'est pas parfait et qu'il va falloir corriger le code en question. Alors, on va regarder ça ensemble. On nous précise également qu'on souhaite avoir une résolution fréquentielle de 38 Hz. Donc, dans un premier temps, je recopie le code qui m'avait été fourni. Je le remets sous forme de code simplement. Voilà qui est fait. Et puis, je vais m'intéresser donc à la première information importante qu'on me donne, à savoir, on veut avoir une résolution fréquentielle de 38 Hz. Donc, on nous impose ici d'avoir une certaine résolution fréquentielle qu'on avait notée, rappelez-vous, delta Hertz, et on nous dit on voudrait bien avoir 38 Hz. Rappelez-vous que la résolution fréquentielle, delta F, ben, elle est fonction de deux éléments. Elle est fonction d'une part de la fréquence d'échantillonnage du signal et d'autre part du nombre d'échantillons qu'on va avoir à disposition. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben, l'idée c'est que quand on prend un signal temporel discret, qu'on vient le soumettre à la FFT, donc à l'algorithme qui permet de calculer la transformée de Fourier discrète fondamentalement, ce qu'on va obtenir, donc on avait ici n éléments, on va obtenir dans le domaine fréquentiel également n éléments. Donc on va ici être dans le domaine du temps, et ici on va être dans le domaine fréquentiel, et on va également se retrouver avec n raies différentes. Donc dans l'exemple ici, pour la forme, ben je vais venir prendre comme j'avais mis 4 raies, c'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer avec ces raies-là? Ben donc je vais avoir des raies qui vont être réparties d'une certaine manière, par exemple comme ceci ici. Et il s'avère que les raies en question, bah, elles vont couvrir une certaine plage de fréquence totale. Cette plage de fréquence, elle correspond justement à la fréquence d'échantillonnage Fs. Et pour être plus précis, la plage de fréquence en question, elle va de moins Fn, la fréquence de Nyquist, à plus Fn, la fréquence de Nyquist. Et la fréquence de Nyquist est bien égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Donc ça, c'est la plage totale qui va être couverte par le nombre de raies qu'on va pouvoir venir récupérer. C'est pour ça que la résolution fréquentielle va être déterminée par la plage totale qui est couverte par notre spectre, donc de moins Fn à plus Fn, ce qui fait une plage qui a une plage totale qui a une longueur de Fs, et on va se retrouver avec n échantillons qui vont être répartis dans cette plage-là. D'où le fait que la résolution fréquentielle est égale à Fs divisé par n. Dans notre cas, on nous dit donc qu'on veut que cette résolution fréquentielle soit égale à 38 Hz. Et on sait également que le signal temporel, ben, il est ce qu'il est et il a été échantillonné à une certaine fréquence d'échantillonnage, Fs2, hein, ce qu'on avait calculé juste avant, qui était égale à 4410 Hz de mémoire. Donc, au vu de tout ça, on peut déterminer n, à savoir le nombre d'échantillons qu'on va devoir garder de notre signal temporel, de façon à faire en sorte que l'on ait bien la résolution fréquentielle qui nous est imposée, et donc ça va être égal à Fs divisé par delta F ici simplement. On peut venir faire ça dans le code en question. On va donc pouvoir dire ben, delta F c'est bien égal à 38. Et ici on nous dit ben, n, on va venir le calculer comme étant delta F divisé par Fs. Ben, c'est une erreur, hein, on vous avait dit que dans le code en question il y avait des erreurs qu'il fallait corriger. C'est plutôt l'inverse. N va être Fs2 divisé par delta F pour voir le nombre d'échantillons qu'il va falloir garder, qu'on va devoir arrondir à un entier, d'où l'instruction floor ici. Une fois que ça c'est fait, bah, on a déterminé le nombre d'échantillons à garnir, et donc on va venir appliquer la FFT sur le signal, mais évidemment pas sur l'entièreté de notre signal Y2, mais bien sur le nombre d'échantillons qu'il fallait garder.
Donc, on va pouvoir ici dire que on va garder de 1 à n échantillons du signal. On va venir appliquer là-dessus l'AFFT et on va récupérer un vecteur qui va contenir des complexes qu'on note ici x. On va chercher à représenter uniquement les amplitudes de notre spectre fréquentiel. Donc, on va prendre la valeur absolue de ces complexes de façon à calculer leur norme. C'est pas la valeur absolue, c'est l'instruction aps qui permet de venir calculer la norme des complexes en question. Et on va ensuite, pouvoir venir diviser le résultat obtenu par n. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit venir diviser ce résultat obtenu par n? Ben, il s'agit d'un héritage de la DFT qui se retrouve dans l'algorithme FFT. Vous avez vu ça dans le cadre du cours théorique. Il y a un facteur de pondération dont il faut tenir compte ici. Donc, il fallait bien venir diviser par n de façon à obtenir une amplitude qui soit correcte. Ensuite, il va falloir maintenant regarder parmi toutes les raies qu'on a obtenues, lesquelles est-ce qu'on va souhaiter conserver. En réalité, ce que la FFT nous retourne, ce n'est pas le spectre tel qu'il a été dessiné ici. Vous vous souvenez que ce que la FFT va nous retourner en réalité, si on avait un spectre qui avait par exemple cette allure-ci, on sait qu'on va avoir des répliques spectrales qui vont venir se présenter autour de tous les multiples entiers Fs. Donc on va avoir ici une réplique spectrale, là une autre réplique spectrale, évidemment elle doit avoir la même allure. Le schéma que je fais ici est très qualitatif. Ce que la FFT nous retourne, ce n'est pas la plage qu'on aurait pu attendre à avoir ici depuis moins Fn jusque plus Fn, hein. Ce n'est pas cette plage-ci qu'on aurait pu s'attendre à avoir. Ce que la FFT va nous retourner en réalité, c'est cette plage-ci. Donc elle va nous retourner des données qui vont aller de f est égal à 0 jusqu'à ici la fréquence d'échantillonnage. Et donc la partie supérieure des données qui nous sont retournées, ben, en réalité c'est ce qui correspond à ce qu'on aurait dû avoir pour les fréquences négatives de notre spectre. Et c'est pas quelque chose qu'on va garder et conserver, hein. Donc on va venir simplement supprimer cette partie-ci du spectre, hein. C'est comme si je n'avais pas représenté les fréquences négatives ici. Et en faisant ça, ben, il faut faire attention que je viens perdre des amplitudes pour mes différentes composantes. Hein. Le spectre en question, on savait qu'il avait une allure paire, qu'on se retrouvait avec, puisqu'on a des sinusoïdes, on se retrouve avec des vecteurs tournant à des pulsations positives et négatives de même amplitude, de phases opposées, et qui tournent à des vitesses égales, mais de signes opposés également. Et donc en réalité, ben, l'arrêt qui était ici, elle la tourne à la même fréquence que celle-là, il y a juste qu'elle ne tournait pas dans le même sens, mais pour obtenir ma composante sinusoïdale, l'amplitude va être celle composée par la somme de ces deux raies-là. Donc en venant supprimer la partie supérieure de mon spectre, pas de souci, je vais garder uniquement mes fréquences positives. Par contre, je ne dois pas oublier de venir multiplier les amplitudes par 2 pour tenir compte de la perte d'amplitude que j'ai créée en faisant ça. Donc, je vais revenir ici, je vais dire, ben, pas de problème, mon spectre, je vais garder l'arrêt depuis la première jusqu'à n demi, attention, plus 1. On souhaite avoir une donnée en plus pour soit ne pas oublier la composante d'essai, soit bien aller chercher la composante qui est à la fréquence d'échantillonnage Fs. Et puis, on va multiplier l'ensemble par 2. Alors, l'ensemble, ben, oui, on peut multiplier l'ensemble, mais en réalité, la toute première raie de notre spectre, c'est la composante continue, elle n'avait pas besoin d'être multipliée par 2, et donc cette raie-là, ben, on peut venir, si on a fait comme j'ai fait à l'instant, on l'avait multipliée par 2 en trop, ben, on va pouvoir venir la rediviser par 2. Voilà, il me reste maintenant à venir graduer mon axe des abscisses, l'axe des fréquences. Donc ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va se créer un vecteur n, petit n ici avec les indices de notre différente raie, et on viendra calculer notre vecteur des fréquences en multipliant ces indices par la résolution fréquentielle. Les indices vont commencer en 0, puisqu'on a une composante continue qui est bien à 0 Hz, donc on va volontairement faire commencer notre vecteur des indices en 0, on va aller par pas de 1, et on va aller jusqu'à
Bah, la longueur du vecteur amplitude 2, mais attention, si j'ai commencé en 0, je vais devoir ici aller jusqu'à la longueur de ce vecteur moins 1 pour bien avoir le même nombre d'éléments dans mon vecteur n et dans mon vecteur f2. Je peux venir afficher le résultat, ça n'était pas demandé, mais on vous précisait ici que c'était ça le résultat intermédiaire qui était attendu, et vous voyez qu'on se retrouve bien avec le résultat qui était souhaité ici. Donc on nous demande d'épurer ce spectre fréquentiel en supprimant toutes les composantes d'amplitude inférieure à 0,05 et de faire la même opération sur le vecteur du signal 1 également là derrière. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ben donc on a une condition logique. On veut que dans notre vecteur amplitude 2, on s'intéresse aux éléments pour lesquels amplitude 2 a une valeur qui est supérieure à 0,05. Et ça, ce sont les éléments qu'on va vouloir conserver. Donc, on va pouvoir dire que on laisse dans amplitude 2 uniquement les éléments dont l'amplitude est supérieure à 0,005. Donc, grâce à ceci, je vais aller chercher les index des éléments concernés. Et donc, je vais venir chercher certains éléments de mon vecteur amplitude 2. Et ça, je viens le recopier dans amplitude 2. Je viens écraser mon vecteur de cette façon-là. Je vais faire la même chose avec mon vecteur F2. Je vais dire que je vais dans F2 aller chercher et ne conserver que les éléments pour lesquels amplitude 2 doit être supérieure à 0,005. Mais attention, si je le fais dans l'ordre suivant lequel je voulais afficher ici, ben je vais d'abord épurer mon vecteur amplitude 2. Je ne vais garder que 6 valeurs dans ce vecteur-là, qui seront inévitablement aux 6 premiers rangs du nouveau vecteur amplitude 2. Et si je viens après faire ça sur ici F2, je vais me retrouver avec des valeurs qui sont pas correctes. Ce seront uniquement les valeurs qui correspondront aux 6 premiers éléments. Donc je suis obligé de d'abord réaliser cette opération sur mon vecteur des fréquences et puis de la réaliser sur mon vecteur des amplitudes. À tout le moins, si comme moi je l'ai fait ici, je viens écraser le vecteur d'origine F2 avec suivant cette condition-là, et même chose pour amplitude 2, suivant cette condition-là. Si je n'avais pas écrasé les vecteurs, j'aurais pu le faire dans un autre ordre, évidemment. Voilà. Donc, on nous demandait ensuite de superposer sur un même graphe le spectre fréquentiel qu'on avait obtenu avec le spectre qui était fourni à l'origine, pour le signal qui était échantillonné à FS1, avec FS1, et celui qu'on a obtenu en appliquant nous-mêmes la FFT et en venant épurer le spectre ici, donc le signal numéro 2, et de visualiser l'ensemble pour une fréquence qui va de 0 à 10 000 Hz. Donc on va ici venir faire un stem, on va pouvoir dire qu'on va visualiser par exemple notre premier signal. Alors, ce qui est suggéré ici, c'est que le signal 1 soit représenté avec des petits ronds. On va faire un hold on. On va pouvoir demander à avoir le deuxième signal ensuite, qui lui doit être représenté avec des petits astérisques. Et on nous dit qu'on veut limiter la plage sur laquelle on va venir représenter ça allant de 0 à 10 000 Hz ici. Et je vais quand même rajouter la légende. Ce sera plus clair pour dire qu'on a d'abord signal 1 et ensuite signal 2. Et également, on peut venir préciser que on a des fréquences en Hertz au niveau de notre axe des X et qu'on représente l'amplitude au niveau de l'axe Y. Donc, je peux maintenant faire tourner ce code-là et vous voyez qu'on obtient ce graphe-ci qui est bien identique à celui qui était attendu ici. Il y a une inversion des couleurs, mais ça n'a pas grande importance. Ça nous donne bien le même résultat. On nous demande ensuite d'expliquer pourquoi est-ce que les deux spectres fréquentiels n'ont pas toutes les raies à la même fréquence. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, si on vient récupérer le signal, ou plutôt la représentation qu'on a obtenue ici, on va pouvoir expliquer le phénomène en question.
Donc, on a deux signaux différents qui sont présents ici. Un signal 1 pour lequel on sait que la fréquence d'échantillonnage était de 44 000 Hz, et on a un signal 2 pour lequel on sait que la fréquence d'échantillonnage est cette fois-ci de 4410 Hz. Ça va nous amener, donc on va la noter FS2 et FS1 pour être cohérent, ça va nous donner, mener à avoir une fréquence de Nyquist ici de 22 050 Hz. Donc on sait qu'on ne pourra pas observer des fréquences supérieures à 22 050 Hz, ce qui visiblement n'est pas un problème puisqu'on a une composante à un peu moins de 7000 Hz, une composante à un peu moins de 4000 Hz et d'autres composantes qui sont situées ici plus bas à disons 300, 650, 1100 et 1500 Hz à peu près. Donc aucun souci pour ce signal-là. Rappelez-vous que c'est celui-là le signal d'origine et qu'on avait décidé de ne garder qu'un échantillon sur 10 de ce signal d'origine pour obtenir notre deuxième signal ici. Ce qui faisait que c'est comme si on avait travaillé avec une fréquence d'échantillonnage de 4410 Hz et donc on se retrouve ici avec une fréquence de Nyquist correspondante qui est cette fois-ci de 2205 Hz. Et le 2205 Hz, eh ben, il est ici quelque part. Ce qui veut dire que ce qui était contenu dans mon signal d'origine, donc les deux raies qui sont ici, ben, elles ne vont pas pouvoir être perçues correctement à l'aide de la seconde fréquence d'échantillonnage. On va avoir un débordement de ces raies-là sur des répliques spectrales d'à côté, et inversement, on va avoir les répliques spectrales à côté qui vont venir déborder et se replier sur notre réplique spectrale centrale, celle qu'on a visualisée ici à l'aide de l'instruction FFT. Alors, comment est-ce que ça va se passer concrètement? Ben, concrètement, si ma fréquence d'échantillonnage est de 4410 Hz, ça veut dire que je vais avoir une réplique spectrale qui sera centrée en 0, hein, ma réplique spectrale principale entre guillemets, je vais en avoir une qui sera ici centrée en 4410 Hz et j'en aurai encore une autre qui serait, puisque c'est tous les multiples entiers de FS, qui serait centrée en 8820 Hz, donc ici quelque part. Pour chacune de ces répliques, ben, on va avoir le contenu fréquentiel qui était représenté en orange ici sur le graphe qu'on a obtenu, ce qui veut dire qu'on va avoir une série de raies qui vont être présentes, hein. Je vais représenter ça très, très grossièrement ici, mais vous comprenez le principe. Donc je vais avoir une série de raies qui vont être représentées, qui vont être là comme ça, puis j'en aurai une qui sera plus loin, donc à 4400 plus environ un peu moins de 4000, donc elle sera à peu près à 8000. Hein, j'aurai une raie qui sera quelque part comme ça. Et puis j'aurai ma dernière raie orange qui, elle, sera à 4400 plus un petit peu moins de 7000. Hein, donc on va supposer que cette raie-là sera quelque part en 11000 là-bas. Mais rappelez-vous que le spectre, c'est ce qu'on avait représenté tout à l'heure, ben, il est également présent pour des fréquences négatives. C'est bien une fonction qui est paire. Donc en fait, autour de cette fréquence FS2 de 4410 Hz, ben, je vais avoir un effet miroir et je vais avoir d'autres raies qui vont être présentes ici, qui vont venir là quelque part et qui vont venir ensuite à 4410 Hz. Moins, ben, on avait dit qu'on avait une raie qui était à un peu moins de 4000 Hz, donc moins à peu près, on va dire 3800 Hz. Donc, je vais avoir une raie qui va venir se replier à peu près 600 Hz, quelque part là-bas. Et la raie en question, c'est celle que vous retrouvez ici. Donc, cette raie-là que j'ai obtenue
en traitant mon signal 2 est une raie qui vient de ma réplique supérieure et qui vient se replier puisque la condition de Nyquist n'a pas été respectée avec mon signal numéro 2. L'autre raie qu'on a ici est une raie qui s'est repliée depuis la seconde réplique spectrale et qui correspondait cette fois-ci au 8820 Hz autour duquel elle est centrée, moins un petit peu moins que 7000, donc ça correspond à cette raie ici, mais en fréquence négative, donc on va dire à peu près 6800 Hz, donc on va être à peu près aux alentours de 2000 Hertz au niveau de la fréquence de repli, et c'est bien ce que vous voyez avec cette réplique-là. Donc voilà, ça a permis, avec un petit schéma comme ça, et en donnant un mot d'explication, ça permettait de répondre aux deux questions suivantes, qui étaient d'expliquer pourquoi les spectres fréquentiels n'ont pas toutes les raies à la même fréquence, donc en expliquant que sur le deuxième signal, le théorème de Nyquist, la condition de Nyquist n'avait pas été respectée, qu'à cause de ça, il y avait un phénomène de repli qui se présentait pour les raies dont le contenu fréquentiel était à une fréquence supérieure à cette fréquence de Nyquist, et on pouvait, à l'aide du schéma que je viens de vous montrer, justifier les fréquences auxquelles les nouvelles raies apparaissaient sur le spectre du signal 2. Ensuite, on nous demandait de venir créer un filtre passe-bas dont la fonction de transfert nous est précisée, donc on va pouvoir venir créer la variable S dans MATLAB, et on va pouvoir dire que on nous donne une certaine valeur pour oméga C, une certaine valeur pour notre coefficient d'amortissement réduit ici, et on va pouvoir, sur base de ça, venir créer la fonction de transfert en question en disant que c'est 1 divisé par, alors, S carré divisé par oméga C, au carré, plus 2 fois S fois xi divisé par oméga c plus 1. Et avec ça, on vient créer la fonction de transfert correspondante, ce qui était simplement demandé. Alors on nous dit ensuite que si on avait pris ce filtre et qu'on lui avait appliqué en entrée le signal Y1, donc le signal d'origine, celui qui était échantillonné à la fréquence d'échantillonnage FS1, donc à 40 000 à 44 100 Hz, on obtiendrait un certain signal de sortie filtré échantillonné à la même fréquence que ce signal d'entrée FS1. Ce signal, en sortie du fil, donc, il a été allégé. On n'en a gardé qu'un échantillon, tous les 10 échantillons, et on nous a fourni le résultat. Et ça, c'est ce qu'on obtient avec notre troisième signal. On avait dit au début qu'il interviendrait plus tard dans l'énoncé. Donc, le signal numéro 3, c'est bien le signal 1 qui est passé au travers d'un filtre. On a récupéré la sortie du filtre et on a ensuite considéré qu'on allait garder qu'un échantillon sur 10 pour venir alléger ce signal 1 filtré et obtenir donc quelque chose de comparable avec le signal 2. Donc rappelez-vous que le signal 2, c'est le signal qu'on aurait eu en entrée du filtre pour lequel on a gardé qu'un échantillon sur 10. Le signal 3, c'est le signal le même signal d'origine qu'on a mis en entrée du filtre pour obtenir un signal de sortie. Ce signal de sortie, on en garde un échantillon sur 10 et on obtient notre signal 3. On nous dit qu'on voudrait bien appliquer maintenant la FFT sur ce signal 3, en cherchant toujours à avoir la même résolution fréquentielle de 38 Hz et en ne gardant que les composantes d'amplitude supérieure à 0,00125 pour ce spectre-ci. Donc là, on va pouvoir venir récupérer ce qu'on avait, je ne prends pas au bon endroit, ce qu'on avait déjà fait tout à l'heure ici. On va garder la même résolution fréquentielle. On va ici venir travailler avec Y3. On sait que le nombre d'échantillons à garder est identique à ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir obtenir l'amplitude 3. Donc, je viens faire la correction là où c'est nécessaire.
Et puis on nous dit qu'on ne veut garder cette fois-ci de ce signal 3 que les composantes d'amplitude supérieure à 0.00125. Donc on va venir rajouter ici que c'est seulement les composantes supérieures à 0.00125 et que c'est d'application pour notre signal 3 ici. On nous dit ensuite qu'on voudrait bien comparer le spectre fréquentiel du signal filtré dont la taille a été réduite en ne gardant qu'un échantillon tous les 10, donc mon fameux amplitude 3, et le spectre fréquentiel du signal d'origine non filtré et complet. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure ici. On garde donc le signal d'origine, F1 amplitude 1, et on va venir superposer F3 amplitude 3. On va préciser qu'il s'agit cette fois-ci du signal 3, et on veut bien travailler avec la même fréquence que tout à l'heure, maximale, donc aller de 0 à 10 000 Hz. Et voilà le résultat que l'on obtient. Vous voyez ici, c'est bien ce qui était attendu. Donc on a le signal d'origine, et on a le signal de sortie du filtre. Alors on sait que ce signal-là, ben, il y a du repli spectral dedans, c'est pour ça qu'on vient récupérer non pas de ré à un peu moins de 4000 et un peu moins de 7000 Hz, mais qu'on vient les récupérer ici, mais on sait quelles leur correspondent. Et ce que vous voyez, c'est que tout ce qui est composante qui est à la même fréquence a une amplitude à peu près similaire. Par contre, on voit que les deux composantes qui avaient ici, ben, ont vu leur amplitude étant assez fortement diminué. Et la dernière partie de l'exercice va justement traiter de cette diminution de l'amplitude, donc du filtrage qui aura été exécuté par la fonction de transfert, ici par le filtre dans lequel on aura passé notre signal. Alors on nous demande de justifier la pertinence du filtre qui est utilisé à l'aide des contenus fréquentiels des deux signaux. Je viens de le faire oralement, donc on peut constater que les composantes qui ne subissent pas de repli sont conservés avec une amplitude quasiment constante, donc on ne modifie presque pas le signal qui n'est pas soumis au phénomène de repli spectral. Par contre, les composantes qui se replient, donc les composantes qui étaient au-delà de la fréquence de Nyquist de notre signal sur lequel on avait gardé qu'un échantillon sur 10, ben on voit que toutes ces composantes-là ont vu leur amplitude étant fortement diminuée par le filtre, et donc en fait ce filtre est un filtre anti-repli, hein, qui permet justement de venir réduire le phénomène de repli en question, et on voit que le filtre a été correctement choisi, puisque les composantes correctes n'ont pas été fortement impactées, alors que les composantes qui se replient ont été fortement atténuées. On nous demande ensuite de représenter le gain expérimental qui a été observé sur ce filtre, donc c'est à savoir le rapport entre les amplitudes qu'on va avoir sur le signal de sortie et d'entrée du filtre, et on nous demande de venir exprimer ça en décibels sur une échelle semi-logarithmique en fréquence, donc en fait à venir représenter d'une certaine manière ce que le diagramme de Bode est censé également nous retourner. Alors, on s'intéresse dans un premier temps uniquement aux fréquences pour lesquelles il y a des composantes dans les deux spectres obtenus, donc c'est-à-dire celle-là, celle-là, celle-ci et celle-ci. Et dans la question 6, on s'intéressera aux deux composantes qui ont cette fois vu leur amplitude étant plus fortement diminuée et qui sont celles qui sont concernées par le phénomène de repli spectral. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va donc venir calculer le gain qu'on va obtenir. Pour obtenir le gain en question, on a dit qu'on voulait l'exprimer en décibels, donc 20 fois le log en base 10 de. Et on va faire le log en base 10 de quoi? On va venir prendre donc dans notre signal 3, donc c'est bien la sortie sur l'entrée, le signal 3 sur le signal 1, on va venir prendre la première composante du signal 3 et la première composante du signal 1. Donc on va venir dire amp 3, on prend la première composante divisée par amp 1, on prend la première composante. Ensuite, donc ça va me faire le gain d'application à cette fréquence-là. Je vais faire la même chose pour cette fréquence-ci, et attention, sur mon signal 3, c'est la troisième composante, sur le signal 1, il s'agit de la deuxième composante. Donc, amp 3, troisième composante, amp 1, seconde composante. Ensuite, on va avoir
ici, donc sur le signal 3, la quatrième composante et la troisième sur le signal 1. Ensuite, celle-ci, donc là, 1, 2, 3, quatrième composante du signal 3, là. Est-ce bien la quatrième du signal 3, 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième, pardon, composante du signal 3, la quatrième composante du signal 1, et avec ça, j'ai bien les quatre fréquences pour lesquelles j'ai des données aussi bien pour le signal d'entrée que pour le signal de sortie. Donc je suis venu grâce à ça calculer les gains en question. On va venir superposer sur cette représentation le diagramme de Bode de notre système. Donc je peux venir dans un premier temps simplement dire que je vais faire un semi-log x de A. J'ai pas créé mon axe des abscisses, là il y a deux possibilités, hein. Soit je viens l'exprimer en radians par seconde, donc en pulsation, soit je pourrais l'exprimer en fréquence. Comme je sais que l'instruction Bode va par défaut me représenter ça en fréquence, en radians par en pulsation, pardon, en radians par seconde, c'est peut-être plus facile de travailler de la sorte ici également. Donc je vais venir me créer un vecteur oméga pour les pulsations, 2 pi fois mes fréquences, et les fréquences en question, ben c'est les fréquences qu'on va avoir sur notre signal 1 ici, 1, 2, 3, 4, les quatre premières fréquences. Donc on va prendre les éléments de rang 1 à 4 dans mon vecteur F1. Donc je peux venir préciser semi-log x de oméga, et puis je vais venir mettre également le gain en ordonnée, et je vais venir afficher les valeurs spécifiques en question à l'aide d'une astérix. Je peux venir faire un hold on, et puisqu'on me demandait de venir superposer le diagramme de Bode du filtre là-dessus, je peux simplement demander à avoir Bode de H, H étant la fonction de transfert que j'ai créée précédemment, et ça va me permettre de venir superposer le diagramme de Bode du système avec les quatre points que j'avais repérés ici, et on voit bien que ça colle évidemment. Dernier point qui nous était demandé, c'était un point bonus, on nous dit on pourrait maintenant essayer de rajouter sur ce diagramme de Bode les deux raies qui sont manquantes, hein, donc celles qui sont pas aux mêmes fréquences sur mon spectre ici, donc les deux raies qui ont été fortement atténuées en question. Alors, pour faire ça, on va pouvoir reprendre en gros ce code-ci et venir l'adapter. On va donc avoir deux informations supplémentaires qui vont venir se mettre. Hein. Je vais appeler ce vecteur-là gain 2 pour ne pas perdre le précédent. Et je vais donc venir chercher sur mon signal 3, là. Alors, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure comme raisonnement ici. Hein. On avait dit que la première raie qu'on voyait apparaître ici qui se repliait, c'est celle qui correspondait à l'origine à la fréquence qui est ici, hein, et qui donc était repliée par cette réplique spectrale là, par la réplique spectrale directement supérieure. Donc on va venir chercher cet élément là qui est donc le deuxième élément de mon signal 3. Et ça va correspondre au 1, 2, 3, 4, 5e élément de mon signal 1. Et puis, je vais pouvoir venir chercher, pour finir, le dernier élément de mon signal 3, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6e élément du signal 3, qui correspond au 6e élément du signal 1 également, à savoir à la fréquence qui est ici. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme fréquence cette fois-ci? Pour cette fréquence-ci, donc je vais venir créer également un vecteur oméga 2, ça va être 2 pi f, et je vais bien aller chercher f1, hein, celui du signal d'origine. Je sais que la vraie fréquence du signal, c'est bien un peu moins de 4000 et un peu moins de 7000 Hz, et je vais aller chercher les 5 et 6e éléments dans ce signal-là.
Je peux ensuite venir refaire un hold on sur ce qui avait été fait. Oh ben non, je suis même pas obligé, hein, je peux tout à fait faire un semi-lock comme ça. Et puis venir simplement redemander, comme ça je fais un nouveau graphe, à réafficher ce que j'avais fait précédemment. Et on va venir représenter les deux nouvelles composantes qu'on rajoute ici à l'aide d'un petit rond pour bien les identifier. Et vous voyez que on voit à ce moment-là, sur le graphe ici, les deux composantes qui ont été fortement atténuées, hein, qui sont bien, qui correspondent bien à ces deux composantes-ci. Voilà, donc cette question-là était bonus. La petite astuce, c'était de ne pas se tromper au niveau des fréquences et de évidemment pas les représenter aux fréquences sur lesquelles elles se sont repliées, mais bien aux fréquences réelles que ces composantes ont en venant récupérer l'information dans le signal 1. J'espère que cette résolution vous aura aidé et je vous souhaite une bonne continuation de session d'examen.